Artiste ou pas, grand ou petit, la fête de la musique rassemble ce soir, au-delà des différences, tous les amoureux de la musique. Cette 30e édition nous emmènera cette fois dans l'univers de la pop. C'est la thématique de cette année 2012. Caroline Loyer est au bar à choix. Bonsoir Caroline. Cette tendance pop, qu'est-ce que ça donne avec notre Maloya, Caroline ? Bah écoutez, ça donne un sacré mélange, Laurence. On ne peut pas dire que le thème soit vraiment respecté à La Réunion, du moins ici à Saint-Denis, mais en même temps, vu l'ancrage des musiques traditionnelles chez nous, ça n'a rien d'étonnant. Alors ce soir, la pop ne prédomine pas, mais quand même beaucoup de styles différents. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, du Maloya, du jazz, du reggae, du dancehall, du gospel. En tout, 130 groupes sont dispatchés un peu partout dans le centre-ville de Saint-Denis pour célébrer ce 30e anniversaire de la fête de la musique. Pour l'instant, on ne danse pas, on flâne gentiment, c'est timide, mais le public a jusqu'à minuit pour se lâcher et pour réellement vibrer au rythme de la musique. Merci Caroline.